Avec cette voix, hein, c'est débile. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, est-ce que vous préférez avec ou sans bruitage? Genre, avec des bruitages, c'est certes un peu débile, mais je trouve ça marrant. Et sans bruitage, ça fait peut-être un petit peu plus de l'ASMR, mais je trouve ça cool aussi. Même si s'amuser à bruiter une vidéo TikTok de 30 secondes comparé à l'entièreté d'une vidéo YouTube, c'est quand même pas la même chose. Les gars, moi je me fais rire moi-même, ça m'éclate, donc je continuerai, hein. Désolé pour ceux qui n'apprécient pas. Mais bon, si vous avez un petit peu l'oreille, vous remarquerez que des bruitages, il y en a absolument partout autour de vous, que ce soit dans le monde des jeux vidéo, dans les dessins animés, ou même dans les films de science-fiction. On n'a jamais vu un écran tactile faire tip 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 tip. Bref, t'en fais un peu trop là. Ou même pour ceux qui dessinent ou qui font des activités manuelles, hein, peut-être même autre chose encore, ça vous est jamais arrivé quand vous êtes tellement concentré de faire des petits bruits, même inconsciemment? Bah moi quand je peins, j'en fais aussi parfois sans faire exprès. Donc là je l'ai fait en faisant exprès au montage avec un micro pour dynamiser un petit peu la vidéo. Et puis ça m'éclate, alors cassez pas les couilles à me dire que oh, t'es un gamin, oh, t'es gênant. Bah écoute, regarde pas la vidéo frérot si tu veux pas voir ça quoi. Hop là, hop hop, et hop là, hop là, hop là, hop, hop. Eh oh, c'est bon là, dis donc. Lonely, la 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 la. You could try to play, but you're never gonna beat me.